Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un retour de course. Donc je suis allée à Walmart pour faire mes courses, ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas allée. J'ai jamais acheté pour autant, puisque j'en ai eu pour 179,39 $. Vous avez bien entendu. 179. Bon, après il y a une raison spécifique qui fait que ça m'a coûté si cher, parce que si on enlève un article particulier, donc je vais monter dans la... qui m'a coûté pratiquement 50 $. Voilà, donc ça fait que c'est plus 130, mais ça reste beaucoup. Donc j'allais ne pas garder le ticket, mais j'en ai besoin pour vous y arrêter. J'ai pris ça, ce sont des raviolis épinards ricotta. Donc voilà, et donc ça, ça m'a coûté 5,77 $. Évidemment, j'en ai pris hors taxe, hein, parce que bon, voilà. Par contre, le prix total, je voulais donner avec taxe. Ensuite, j'ai pris du fromage râpé Tex-Mex. Cette fois, j'ai pris qu'un seul paquet, j'ai été raisonnable. Bon, c'est surtout que j'avais d'autres trucs à prendre et que c'est lourd. 10,28 $. C'est super cher en plus sur le truc. J'ai pris deux paquets de riz comme ça, bien original, qui sont très cuits. Il y a juste à les mettre sur mes commandes. Donc j'ai pris saveur de beurre et ail et saveur tomate et fines herbes. Donc voilà, j'en ai pris deux. C'est 2,77 $ le paquet. Du beurre. Donc j'ai pris deux paquets et de beurre, parce que j'utilise quand même beaucoup de beurre. En fait, je cuis les aliments au beurre, donc voilà, tout simplement. Et donc, c'est du beurre salé et c'est 6,98 $ le pot de beurre. Et je prends le moins cher. J'ai pris des gnocchis à poêler au fromage. Donc ça, c'était 5,47 $. J'ai pris un autre paquet au pesto et à la mozzarella, donc c'est le même prix, c'est 1,47 $. Et un troisième saveur tomate mozza. Voilà. Donc encore 5,47 $. Alors, j'ai pris des bananes parce que j'aime bien manger un fruit le matin. Donc voilà. Et ça, c'était 2 $ les bananes. Alors, évidemment, j'ai pris du fromage. Donc j'ai pris un boursin. Donc, parce que j'ai vu que... De base, je prends du Philadelphia, mais j'ai vu que c'était une marque à boycott. Donc voilà. C'était du coup 9,38 $. Et pour rester dans les fromages qui coûtent une blinde, j'ai craqué. J'ai pris un camembert président. Donc voilà. Et ça, ça m'a coûté 8,78 $. Mais vraiment, j'avais bu. En fait, je trouve qu'en ce moment, là où je joue au Mouba, on est le 7 juin. Donc, j'ai reçu la plupart de mes résultats. Mon master et école d'ingé. Il se trouve que je n'ai pas été prise dans mes écoles d'ingé dans lesquelles j'ai postulé. Il y en aurait juste une où j'attends les résultats. Donc, j'avoue que ça m'a déprimée. Et deuxième point, c'est... Du coup, j'ai aussi fait sur mon master. Ceux qui ne savent pas ce que c'est comme Parcoursup, mais pour les masters. Voilà. Comme ça, si vous savez, en gros, c'est une plateforme où il y a tous les masters. Et donc, on peut postuler dessus. Je trouve qu'il y a un truc que moi, je trouve qu'il y a un peu bête. Et je pense que c'est pas... Je pense que c'est limité. Le nombre de vœux auxquels tu postules à 15, c'est pas forcément le meilleur choix. Surtout que beaucoup se retrouvent sans vœux à la fin, avec beaucoup de... Il y en a beaucoup qui sont acceptés nulle part. J'ai quand même été... Moi, je suis sur liste d'attente sur 4 de mes vœux, mon master sur les 15. Donc c'est pas beaucoup, mais je suis pas non plus trop mal placée sur la liste d'attente. J'ai peur qu'en disant ça, je me porte la poisse. Mais
J'ai regardé et pour certains vœux, au niveau de la liste d'attente, en fait, ils mettent quel est le dernier rang qui a été accepté l'année dernière. Et comme je suis au-dessus de ce dernier rang, enfin, comme j'ai, à la base j'étais au-dessus de ce dernier rang, je me dis qu'il y a la possibilité que je sois finalement acceptée une fois que ceux qui préfèrent d'autres vœux changent de vœux. Donc je garde espoir. Mais je me dis que du coup, limiter à 15 vœux, ça fait pas non plus énormément de vœux finalement. Il faudrait peut-être augmenter. Alors, je dis pas non plus de faire une liste de fou, mais je sais que pour mon parcours sup, j'avais mis une vingtaine de vœux sur la plateforme la première et la deuxième fois. Et j'aurais pu en mettre plus si j'avais pas bloqué. Et là aussi, j'aurais pu mettre plus de vœux, mais voilà quoi. Donc je pense que on n'est pas obligé d'augmenter beaucoup, mais peut-être mettre 20-25 vœux possibilité pour certains. Enfin, je sais que pour certains, ils les remplissent pas, mais moi, ça m'aurait. Genre, j'aurais eu 20 vœux, ça aurait été mieux pour moi. Mais bon. Voilà, bon. Pour me réconforter. Donc voilà, j'ai besoin de fromage. Prochain truc que j'ai acheté, une sauce pesto. Mais je l'ai vu, j'ai dit je prends. Je savais même pas qu'ils avaient ça, mais voilà. Donc alors, donc ça c'était 2,97. Donc là c'est la pesto verte classique. Et alors, ensuite j'ai pris une autre sauce tomate. Et la rosée que je prends souvent qui est à 2,97. J'ai été coupée parce que ma mère m'a appelée, donc je lui ai répondu, mais ça fait un moment maintenant, donc je sais plus où elle en était. Bon, du coup, prochain produit, c'est du parmesan, donc il m'a coûté 7,97 $. Donc voilà. D'habitude, je prends les formats plus petits, j'achète à Dollarama, mais là, j'ai pris ce format-là. J'ai repris du chocolat chaud, parce que j'en avais plus du tout. Et vraiment, j'ai hésité à reprendre, mais j'en ai pris, donc c'était 5,47 $ le pot. Alors, ensuite, j'ai pris du fromage à cheddar, comme ça, en tranches, là, comme pour mettre pour les burgers. Et ça, c'était 7,54 $. Alors, ensuite, j'ai pris deux boîtes d'œufs, comme ça. Il y a 18 œufs par boîte. Et donc, ça, c'était 5,98 $ la boîte. Donc, j'ai pris une deuxième sauce, la rosée, qui coûte 2,97 $. Et j'ai pris un pesto rouge, donc qui était à 2,97 $ aussi. Toutes les sauces tomates étaient à 2,97 $. Bon, juste, on voit clairement qu'il y en a une qui coûte plus cher que l'autre, vu la taille du pot. Ça coûte plus cher en quantité, quoi. Mais c'est pratique quand même d'avoir des petits pots, puisque vu que je suis toute seule à manger, bah voilà quoi, je suis pas obligée de le manger vite, donc voilà. Et pour finir, j'ai pris deux bouteilles de lait. D'habitude, je prends des bouteilles de 2 litres, mais cette fois j'ai pris deux de 1 litre parce que les deux dernières fois que j'ai pris des bouteilles, vu qu'en ce moment il fait chaud, j'ai vraiment du chocolat chaud, elles ont fini par périmer, donc je me dis des 1 litre c'est peut-être mieux. Donc voilà, pour pas que le lait périme, parce que vraiment le lait périmé c'est affreux. Donc voilà, donc ça fait 2 bouteilles de lait et c'était 2,25 $ la bouteille. Donc voilà, ben du coup, il reste le dernier produit que j'ai acheté, qui n'est pas de la nourriture, mais j'en ai vraiment besoin. Pour le coup, c'est
une paire de chaussures. Donc voilà, bah, comme ça vous voyez les prochaines chaussures que je vais porter tous les jours. Elles sont assez sobres, j'aime bien le design. Voilà. Elles m'ont coûté 50 dollars, 49 dollars et 97 cents. Donc voilà, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté des chaussures alors que je pars dans 2 mois du Canada et que je rentre en France. C'est tout simplement parce que mes baskets ici sont mortes. Alors j'ai ramené 2 paires de baskets avec moi de France et vous pensez que ça allait me tenir tout le séjour. De base je voulais en prendre plus, mais j'avais pas la place dans ma valise de prendre une paire de chaussures parce que j'ai pris des bottes, une paire de sandales et des tongs. Donc voilà. Donc j'ai pris que 2 paires de baskets. Enfin, mes valises étaient remplies, je pouvais rien ajouter d'autre et même niveau poids c'était le max que je pouvais mettre dedans. Donc voilà, du coup j'avais 2 paires, donc j'avais une paire de Air Force One, donc des Nike avec le Nike rouge et les lacets rouges, et le Nike il est pas droit en fait, il est en biais, et des Converse à plateforme, et du coup je les ai mises beaucoup, à part cet hiver où j'ai mis mes bottes, mais dès que j'ai pu arrêter de les mettre, mes bottes d'hiver, j'ai arrêté. J'ai mis mes bottes que moi j'ai ramené ici, parce que j'ai acheté des bottes spéciales ici, genre les bottes que nous en France on met comme bottes de, pour les gens qui vont à la montagne pour promener dans la neige quoi. Et du coup moi, les bottes j'avais, du coup j'ai acheté ça ici puisque j'en avais besoin, puisque les non, mes bottes n'étaient pas suffisantes, donc voilà. Et donc du coup, dès que j'ai pu les enlever parce que c'est pas très beau et que vraiment mon style cet hiver c'était une catastrophe, hein, et du coup j'ai mis mes baskets, je les ai mis quand même beaucoup puisque je les ai mis, j'ai deux paires de baskets et je les ai mis tout le mois de septembre, octobre et novembre, j'ai arrêté de les mettre. Et depuis mai, je les mettais tout le temps. Et puis pour descendre dans la cuisine, il fallait que je mette des chaussures, donc je les mettais. Et vraiment, bon, je les ai défoncées. Pour vous dire, je vais vous montrer avec celle-là, mais ici, ça se décollait là. Enfin bref, elles sont dans un état pitoyable. Et elles sont abîmées aussi à l'intérieur de la chaussure, ici. Et bon, c'est pas comme si c'était des chaussures neuves. Il y a une paire de chaussures, les Nike, je les ai achetées quand j'étais en première, donc voilà quoi, c'est première, terminale, première année d'études sup, ça faisait, là cette année ça va faire, ça fait bientôt 6 ans que j'avais cette paire, donc on peut dire que je les ai quand même bien portées. Pour les autres, les Converse, ça faisait moins longtemps qu'ils les avaient. Du coup, elles étaient... Mais je les mettais plus. Donc, voilà. Pour vous dire, les Converse, les lacets se sont cassés tellement je les ai mis. Les lacets, j'ai voulu les mettre pour aller faire mes courses. Et en fait, le lacet, il est resté dans ma main. Donc, j'ai dû mettre mes Air Force One, que je mettais plus que pour descendre en bas. Donc du coup il me fallait absolument une paire de chaussures, donc celle-là 50 dollars, c'est pas non plus super cher pour tenir les 2 mois qui sont là. Évidemment j'espère qu'elles vont tenir plus que ça et que je vais pouvoir les mettre en France parce qu'elles sont quand même mine de rien sympathiques, mais j'ai vu d'autres paires qui étaient moins chères mais j'avais peur qu'elles soient pas aussi confortables que celle-là au pied, donc j'ai quand même pris celle-là à Walmart. Donc voilà. Et surtout que fin juillet, début août, je vais voyager. Je vais passer quelques jours à Québec, puis à Ottawa, puis à Montréal. Donc il me faut des chaussures avec lesquelles je pourrais marcher beaucoup. Donc je m'étais dit qu'il fallait mieux que je prenne celles-là qui sont à 50 dollars pratiquement, plutôt que l'autre paire qui est seulement à 15 dollars, mais dont la semelle est beaucoup plus fine.
donc du coup qui risque de me faire beaucoup plus mal aux pieds si je dois marcher 20 000 pas par jour minimum, parce que quand j'étais à Toronto, j'ai passé ma journée à déambuler dans les rues, parce que le Canada c'est plus safe que la France, du coup on s'en fout qu'il est 23 h, tu peux marcher tranquille. Donc voilà, même s'il y aura moins de choses à visiter à Ottawa, il y aura quand même beaucoup de choses à voir à Québec et à Montréal. Je vais beaucoup marcher, même si je pense prendre les transports en commun quand même. Mais voilà, parce que Montréal c'est super grand, donc évidemment je vais prendre le métro. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté une paire de chaussures à Walmart. Donc c'est la marque Madden New York NYC. Je sais pas trop comment, je sais pas comment on dit cette marque. Je vais vous montrer l'étiquette. Ouais, ça c'est mieux. Voilà. Bref, Madden. Et il y a écrit viscoélastique. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Ah, il y a écrit fabriqué à partir de papier recyclé. Bon bah, c'est une bonne chose. Et voilà. Donc voilà. Et je les ai pris en taille 9. Je ne sais pas à quoi ça correspond, puisque de base, je fais plutôt du 8, voire du 7. Et là, j'ai pris du 9. Donc je pense que ça dépend des marques. Donc je pourrais pas vous dire, c'est du 9. Et je fais du 38,5 de base. Donc du coup, je ne suis pas sûre que... Enfin, je fais du 38. Ouais, je fais du 38,5. Hein. Donc voilà, genre j'ai des chaussures en 38, mais une basket, genre les sandales c'est du... le 38 des fois c'est trop grand. Mais mes baskets c'est du 39, allez savoir. Donc voilà. Donc, bah voilà, c'était le dernier produit de cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'en ai eu pour 179 $, puisque 50 $. En même temps, en soi pour des chaussures c'est pas très cher, surtout que 50 $. Si on remet le prix en euros, c'est moins, puisque c'est 1 euro, c'est 70 centimes. Pas du tout. 1 dollar, c'est 70 centimes. Donc 1 euro, ça fait moins. Donc franchement, c'est pas si cher que ça. Et puis elles sont très jolies, ces petites chaussures. Donc je suis trop contente de mon achat. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.